passons maintenant à la com. Alors, comme je l'ai présenté dans la com, les vidéos que je vous ai montrées, et si vous avez un contrat important, qu'est-ce qui se passe alors? Est-ce que la personne pas conciliante, vous pouvez encore, si c'est une collègue ou une supérieure hiérarchique, monter en grade? Et pour un contrat important où vous dépendez de la personne avec qui vous signez un contrat, qu'est-ce qu'il faut faire? Et si la personne vous dit non, vous lui dites non. Comme les télétoons.